On va essayer un jeu, alors, pour commencer. C'est un jeu de japonais où il faut gérer, créer et gérer une école. Du coup, voilà, petite démo, on va essayer ça ensemble. Greetings, kiddo. Je voyager à travers le monde. Vous vous souvenez de cette vieille école qui était la vôtre? Eh bien, j'ai caché un trésor quelque part sur le campus, et maintenant c'est à vous de ramener, cet endroit à la vie. Et c'est pour ça que je vous ai invité à prendre ma place de directeur. Chassez vos dreams, chassez vos rêves, mon petit pote. Voyons, Xiaomi, Oliver Williams, ça c'est bien, allez vas-y. Bon, on s'en fout, hein, vas-y. Hop. Allez. Alors, le nom de l'école. Allez, hommage aux vieilles séries, le collège foufoufou. Vas-y, mettre ça, hop. Le pays des Weeb. Donc, petit jeu qui apparemment a été aperçu, je crois, alors je sais pas si c'est au Wholesome ou si c'est sur la conférence de Guérilla Collective. Salut, est-ce que vous êtes le nouveau maître? Le nouveau directeur? Oui, je m'appelle Miss Lynn, je suis votre assistante. Je peux vous aider? Bien que je n'ai pas d'expérience, j'y travaille. Alors, laissez-moi vous introduire. Alors voyons, c'est effectivement une petite école, mais on va commencer, d'accord, et ensuite on agrandira. Très bien. Alors il faut que je nettoie le truc abandonné. Alors déjà, il faut se mettre en QWERTY, très bien. Alors comment on nettoie? Faut que je démolisse ça. Voilà. Je démolis ça, et je démolis ça. Très bien. Ah, l'école n'a jamais été aussi propre! Maintenant, on peut commencer à préparer l'école. Vous devez construire une classe. Et les étudiants doivent avoir leur propre classe et leur propre siège. Très bien. On va construire une classe. Alors, attends, comment ça marche? Est-ce que je le fais comme ça? Tout le long? Peut-être oui, comme ça? On va faire ça, hein. Du coup, c'est quoi? Ça, c'est le tableau? D'accord. Il faut penser aux animés, là. Des bureaux. Il en faut combien? Il en faut 20, c'est ça? Ok. Ensuite. Hall desk. Ça, c'est les élèves. Très bien. Alors, attends. Je mets comment? Comme ça. 1, 2, 3. Voilà. Comme ça. Il en faut combien? 12, 15. Voilà. Et attends, mais comment je mets des fenêtres? Je vais mettre une fenêtre pour que les gens ils puissent regarder par la fenêtre d'un air mélancolique. Au secours, comment... Attends, c'est quoi? Alors, attends. Ailleurs. Voilà, Sophia Williams. Bon, je t'engage. Noah Evans, je t'engage. Ah, ça, c'est les étudiants. D'accord, c'est les étudiants, je peux engager tout le monde. Hop là, voilà, j'engage tout le monde. Fenêtre, voilà. Voilà, c'est là. Je mets une fenêtre ici. Je vais en mettre deux, voilà, comme ça. Ok. Comme ça, les gens, ils peuvent regarder par la fenêtre, les cerisiers en fleurs, tout ça, voilà. Voyons, il faut que j'engage un professeur. Ah non, c'est bon. Ah voilà, assigne personnel, student have successfully enrolled in your school, donc voilà, donc j'ai des étudiants, maintenant, ah d'accord, il faut que je les mette comme ça, tac 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 tac, voilà, et maintenant il faut un professeur, et là du coup, un professeur, et ça sera Miss Lynn, c'est donc la balayeuse qui enseigne, visiblement, la préparation des classes est complète, et maintenant on peut commencer à rouler le temps, ok c'est bon, voilà. Est-ce qu'on va voir les élèves? Ah ça y est, on va voir les élèves, oh là là. C'est beau, ah ça weeb tellement là. Ah putain, les élèves ils dépensent des thunes en arrivant. Là, si t'as pas tes 120 balles mec, on t'apprend rien. Est-ce qu'il... Regardez, il y a les groupes de garçons qui se forment là. Les étudiants sont prêts à apprendre. Il va falloir leur apprendre quelque chose aujourd'hui. Alors voyons. Il faut que je leur assigne une semaine. C'est ouf. Ah voilà, ça doit être ça je pense. Humanity, alors attends, science, humanity et... Réunion de classe, Monday, Tuesday, ah d'accord, ok, Monday, Tuesday, ok. Ah ça c'est les heures, d'accord. Bon on fait, Humanity c'est quoi? C'est genre les lettres? Ça doit être les lettres et les sciences, je pense au début juste. Bah on fait les deux, hein. Tac tac, voilà, tac tac, tac tac. Et c'est quoi class meeting? N'oublie pas d'arranger une fois que c'est complété, voilà. Ah c'est réunion de classe? Ouais. Mais je pense qu'après, il va falloir là, on pourra mettre du sport, des choses comme ça. Ah, l'école, elle est en ruine. Mais il n'y a jamais cours? Ah, c'est réaliste avec un animé, cela dit. Ah si, c'est bon, il y a un cours. C'est bon, il y a des cours, quand même. C'est vrai qu'il manque la cloche, là.
Il manque le... Alors, challenge... Alors, pour augmenter les opérations dans votre école, le bureau d'éducation a décidé de donner un guide à chaque école. Avec chaque niveau, vous aurez différents challenges et vous pourrez gagner des récompenses si vous les accomplissez. J'espère que toutes les écoles vont activement participer. Alors, premier challenge. Il faut que je nettoie l'école. Et je peux avoir des récompenses. Que je nettoie l'école. Comment je fais ? Tutoring programme. Vas-y, je fais ça. Confirme. Il faut que je démantèle 10 items. Ça doit être ça, je pense. Ah, voilà. Ça y est, vous la voulez ? Voilà, vous avez eu votre dose de Weebri, c'est bon. ça doit être ça, démolish. Les étudiants sont trop distraits pour apprendre. Faites plus attention et trouvez... Find distraité, student. D'accord. Ah, il y a des élèves qui foutent rien, d'accord. Ah, il y a un branleur, là. Il y a un branleur. Cet étudiant s'endort et il n'apprend rien. Vas-y, je vais le forcer à rester debout. Avec le seau d'eau. Hop là. L'éducation à l'ancienne. Il y a rien de mieux. Avec une petite seau d'eau, là, pour forcer l'élève à se réveiller. Ah putain, les toilettes sèches. Au secours. C'est interdit ? Ah bon ? Tutoring programme. Claim, voilà. Alors, il faut que je répare... Les murs endommagés, je vais confirmer. Ah, il faudrait que je fasse des toilettes. Toilettes pour filles, toilettes pour garçons, mais est-ce que je le fais maintenant ? Ah, il y a une classe là aussi, là. Je ferai ça plus tard, peut-être. Mais attends, il faut que je trouve comment on répare, là, d'abord. Ah, je peux embaucher de nouveaux élèves ? Mais il faut une salle de pause. Break room. C'est quoi ? Attends, mais il faut une... C'est pour les élèves ? Qu'est-ce que c'est ? Les élèves, ils ont une salle de pause au Japon ? Le CDI de chez vous ? Mais la salle de pause, ça s'appelle la cour de récré, non ? Attends, la salle de pause, ça serait au rez-de-chaussée ? Je sais pas. Mettre ça là, je vais mettre ça comme ça, écoute. Une table pour le thé. Ah, il en faut deux. D'accord. Ensuite, il faut quoi? Il faut mettre une porte pour pouvoir rentrer. Ah, il y a ça là. Ah oui, regardez, il y a le machin là. Il se passe des trucs devant ça. Mais ça va pas dehors, ça, normalement? Ça va dehors, ça? Dans les animés, c'est dehors, ça? Ok, là, du coup, je peux prendre des nouveaux élèves. Voilà. Alors, attends, et du coup, là, je veux... Je veux mettre le machin, là, je veux mettre le décor. Ah, il me faudrait quand même, je pense qu'il faudrait quand même des toilettes. Hein. Des toilettes pour filles et des toilettes pour garçons. Est-ce que je mets ça là? Attends, je vais démolir ça. Hop. Démolis. Ah oui, mais il y a des trous énormes. Comment je l'arrange? Il faut une cantine? Bah là, je sais pas, là, d'après le truc, là, il faut une salle de recherche aussi. Mais je me dis, quand même, les toilettes, c'est quand même assez urgent. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que je fais ça? Je fais ça, peut-être? Et peut-être juste après... Alors attends, ça c'est les toilettes pour garçons. Mais c'est assez minuscule. C'est un enfer en fait. Décoration, sitting... Donc la porte. On va mettre la porte ici. Alors là du coup il faut que je mette... Voilà. Les toilettes, voilà. Je mets ça là. Voilà. Hop. Là il y a trois toilettes, c'est pas mal. Après il faut un truc pour se laver les mains. Quand même. Pourquoi il n'y a pas de truc pour se laver les mains dans ces chiottes? Pourquoi il y a une litière? On me propose de mettre de la litière pour chat, mais pas un truc pour se laver les mains. Bizarre, hein. Je vais mettre ça là. Ils sont bizarres, ces japonais, je trouve. On va faire oui. Ok. Et ensuite, on fait les toilettes des filles. Juste à côté. Voilà. Bon, bien sûr, c'est rose parce que c'est les filles. Oh, génial. Oh, putain, regardez, il y a même un trou dans les toilettes des filles pour pouvoir rentrer par l'extérieur. On a tout prévu. On a prévu déjà les animés. Et du coup, maintenant, il faut juste que j'enlève les fenêtres qui sont là. Et je vais juste rajouter des petites fenêtres. Je vais rajouter des petites fenêtres là, comme ça, au-dessus. Voilà, et là. Au-dessus de l'évier. Comme ça, ça permet éventuellement de mater. Et ça crée des rapports humains. Ah merde, c'est derrière l'évier. Bon, bah tant pis. Move. Vas-y, je vais mettre... Ah non, en dessous. Voilà. Comment ça, l'école de l'angoisse? Pourquoi? C'est une école où les gens vont vivre les meilleures années de leur vie. J'espère par contre... Ah, le cerisier, il est toujours en fleur. Il est toujours en fleur? Attends, le cerisier, il faut que je le mette en face de... là. Il faut que je le mette dans la vue de la fenêtre pour que tu puisses le regarder d'un air mélancolique pendant les cours. Très important. Voilà. On répare le trou dans le chiotte des filles. Alors, ensuite, mission suivante. Utilisation de la salle, vas-y. Il faut que les gens aillent pisser maintenant. Ah, lui, il a faim. Il a faim, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ait pas faim? Voyons, est-ce que je peux construire une salle facility? Donc j'ai les toilettes. Est-ce qu'il faut que je fasse une cantine peut-être? Boys, break. Peut-être une salle de recherche peut-être.
fasse une salle de recherche. Attends, je vais la construire ici, comme ça, là. Tac. Voilà. Il y a un petit côté, effectivement, Two Point Hospital, je trouve. Ça, c'est pour les profs. Ça, c'est pour les profs. Donc, je le mets là. Ça, c'est du décor. Carton. Je crois qu'il n'y a pas d'élèves. Je crois qu'il n'y a pas d'élèves dans cette salle. Ok. Et là, donc, il faut que je trouve Headmaster. Attends. Il faut que je recrute. Il faut que je recrute des professeurs science teacher. Vas-y, je vais prendre lui, il est pas cher. C'est comment au Japon? C'est les profs qui changent de salle ou je sais plus? Qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle va pisser, connasse. Pardon. Pourquoi elle est pas contente? Est-ce que je peux construire un snack bar? J'ai faim. Snack bar chez Léon. Alors, mais je vois pas. Service département. Break room. C'est peut-être dans le break room qu'il faut que je construise un truc. Un machin pour manger. Ah, j'ai mis un pot de fleurs. Tout ce que j'ai. Je sais pas moi comment je te construis ça. Snack bar revenu. Mais oui, mais comment je fais? Ok, donc là maintenant, je peux faire de la recherche. Alors la recherche, comment on fait? Comment ça marche? Est-ce qu'il y a un endroit pour acheter de la nourriture? Non! Arrêtez de demander! Il n'y a pas d'endroit pour acheter pour de la nourriture. Attends, backpack. J'ai un... Attends, regardez. Hop! Ah voilà! Je jette de la nourriture aux élèves. Voilà, j'ai jeté de la nourriture aux élèves. Là. Je leur ai jeté du pain. Je suis rentré dans la salle, là. J'ai jeté du pain dans le... dans la salle, ils se sont jetés dessus, là. Ah, voilà, ça y est, c'est les recherches. Snack bar. Très bien. Ah, d'accord. Et ensuite, on peut débloquer les cours de langue, les maths, les recherches internationales, physique et chimie. Ah, après, il y a la cafétéria. Ouais, d'accord. Ok. Cours de chinois. Maths 2. Badminton. Ah, la clinique. Ah oui, il me faut la clinique, là. Si on est dans un animé, il me faut une clinique, hein, obligé. Il n'y a pas le gymnase. Il n'y a pas l'endroit où on range les ballons dans le gymnase qui ferme la nuit mal. Bizarre. Des programmes de recherche sont disponibles. D'accord, il faut que j'embauche plus de gens pour les recherches. Est-ce que je peux engager plus d'étudiants? Oui. D'accord. Elle, par contre, il faut un snack pour l'engager. La classe est sur le point d'atteindre son niveau maximum. Ah, il va falloir plus d'élèves. Si vous pensez que le bâtiment est trop petit, vous pouvez augmenter la taille du bâtiment. Oh, en vrai, on peut aussi faire ça à la française et rajouter plus d'élèves. Hein. La classe est trop petite. Attendez, moi j'arrange ça. Hein. On va pas construire, on va pas engager des frais. Je peux faire une classe de 40 élèves, y a pas de problème. Hein. Ils sont bêtes, ces japonais. Hein. Attendez, regardez, hop. Regardez, hop là, attends. Moi, je t'arrange ça, hein. On a atteint la capacité maximale? Non, non, non. Comment ça, on peut pas mettre plus d'élèves? Foutez de ma gueule, ils sont combien? 1, 2, 3? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est quoi? 15 élèves dans la classe? Et c'est ça le max? Vous foutez de ma gueule? C'est pas rentable? Bah oui. Des élèves, normalement, t'en fais rentrer 37. C'est ça, le nombre max d'élèves. 37. Pas en dessous. Bon, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Pourquoi elle râle? Monsieur, il n'y a rien de pire que la... Il n'y a rien de pire que la nature appelle, mais qu'il n'y a pas de toilette. Dépêchez-vous et construisez. On va se pisser dessus. Bah, il y a des toilettes, là. Monsieur... Ouh, qu'elle est moche. Monsieur Sweet, consultant, là, ils veulent des toilettes. Mais il y a des toilettes, là. Vous avez quoi, là? Il y a des toilettes? Bon, c'est bon, voilà. Bah, ils peuvent pisser dehors. En plus, il y a des toilettes, là, regarde. C'est quoi, ça? C'est des toilettes sèches. Let's go. Bon. On fait des recherches. On est en train d'étudier le snack bar. Moi, je veux ça et je veux... Il n'y a pas l'endroit où il pose. Attends, radio, swing. Ah, il y a une balançoire. Moi, je veux l'endroit où il pose les chaussures quand ils arrivent. Ah, tout le monde rush dans les toilettes, là. Ah, les boys. Tous les mecs qui rushent dans les toilettes, là. La musique en haut. Ouais, j'avoue. Bon, on va baisser la musique et mettre autre chose. C'est pas Bagheera qui était seul dans sa classe pendant un an? Je sais pas. Moi, il y a un truc. Je sais que c'est bizarre. Mais ça, c'est mon... C'est peut-être un truc de weeb. Mais je suis allé plusieurs fois au Japon. Et j'aurais voulu vraiment rentrer dans un lycée pour voir comment c'est. Est-ce que je suis le seul connard à avoir ce délire de vouloir vraiment aller dans un lycée japonais pour voir vraiment commencer à... Mais fermé, je m'en fous des élèves, tu vois. Mais c'est juste voir à quoi ça ressemble. Bizarre la phrase, attention. Alors me dites pas que personne n'y a jamais pensé. Armé ou pas. Du coup là, on a appris le snack bar chez Léon. Très bien. On va pouvoir apprendre le langage. Très bien. Alors il me faut
C'est quoi? C'est une cantine. Alors, est-ce que ça se met dans la salle de pause ou est-ce que ça se met ailleurs? Ah, mais du coup... Ah oui. Ah, du coup, il faut que je le mette à un endroit... Je vais le mettre là. Ah, c'est ce genre de... D'accord. Ah oui, ok, je comprends. J'ai vu ça dans Radman 1/2. Putain, en parlant de Radman 1/2, il faudrait que je me refasse la série. Si, oui, voilà, c'est ils vendent des melons panne. Voilà. Et après, ils le cuisinent. Du coup, est-ce que je mets... Voilà. Est-ce que je mets un banc? Comme ça, les gens peuvent s'asseoir pour manger. Je vais mettre des fenêtres, quand même, histoire de... Voilà. Moi, j'ai pas compris comment ça marche, mais on va voir. Alors, est-ce qu'il faut engager un personnel pour le tenir? Non. Ah, qu'est-ce qui se passe? Visiteur étrange. Oh, le creep. Nice to meet you. Donc, c'est le... Ah, c'est le département de l'éducation. J'ai entendu que votre école avait ouverte et je suis venu pour faire... Bon, bref, d'accord. Le premier examen, c'est sur les sciences, c'est sur l'humanité. Mais d'accord, du coup, il va vite falloir débloquer les trucs au-dessus. Et il faut que... Ah oui, c'est comme dans les... Il faut que mes élèves aient des bons résultats parce que sinon, l'école va fermer, au secours. Mais attends, mais c'est dégueulasse, c'est une porcherie. C'est une porcherie, cette classe-là. Foutez de ma gueule. Faut balayer, là. Normalement, c'est les élèves qui nettoient, là. Foutez de ma gueule ou quoi? Est-ce qu'il faut que je mette quelqu'un assigné à ça? Est-ce que c'est des profs? Est-ce que c'est... On engage des profs? Comment ça marche? C'est les profs qui font la distribution de nourriture? Je crois pas. Hein. Attends, je vais engager un prof. Je vais tester d'engager un prof pour voir. Voilà, un prof... On va... Voilà. Prof de lettres, là. On engage un prof de lettres et on le met à la cuisine. Voilà. Let's go. ok, ensuite. Engager. Ah voilà, je peux engager plus d'étudiants. Let's go. Mais ils sont débiles. 31 points et 19 points. Ils sont cons. Ils sont cons comme les pieds. Et il faut du sport aussi. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Va bosser? Ah, c'est parce que je lui ai pas assigné de classe. Voyons. Voilà. Hop. Allez. Au boulot. Est-ce que j'ai vu Slayer, la série de 96? J'ai... Pas vu la bonne version. Ah, il est sympa, ce petit jeu, là. C'est sans prétention. Ça ressemble beaucoup à Two Point Campus. Ambiance japonais. D'accord, donc les élèves sont bien satisfaits. C'est bien. Là, je vais bientôt gagner les sous parce qu'ils auront fait caca 50 fois. Est-ce que je peux... Attends, est-ce que je peux avoir plus de cerisiers en fleurs? Ça, là. Ah oui, ah, oh, génial. Ah, oh, trop bien, regardez, attendez. Ça, indispensable. Indispensable, on va mettre ça là. Hop. L'indispensable lieu. Il faudra le mettre pas trop loin de là où les gens se changent. Aussi. Voilà, j'en mets deux QAQ. Voilà. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai gagné l'argent du caca. C'est bon. Ils sont pas alignés, ouais. C'est terrible. C'est un trigger de fou. C'est vrai que ça trigger un peu. Il manque pas des murs à un toit. Non, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, il y a des ordures au milieu de la... Oh putain, c'est une porcherie. C'est une chiasse. Oui, attends. Mais c'est comment que je débloque le... C'est comment que je débloque le... Janitorial? Mais je l'ai. D'accord. Attends, non. Putain, il faut que je l'ai pas débloqué. Faut d'abord que je débloque le cours de langage. Et après, je vais pouvoir débloquer le janitor. Ah, ouais, c'est ça, hein, regardez. Prof de français, là. Elle sert des sandwichs. On va continuer. On va débloquer le janitor, mais non. Oh, il y a la nuit qui arrive. Ah, plus d'élèves. Ah, mais attends, merde. Du coup, j'ai pas assez de... Ah, les élèves, ils rentrent chez eux? Ah, ça, ils veulent quoi? Cleaning product. Ah, eux, ils viendront pas parce que c'est trop sale, ici. Ils viendront pas parce que c'est trop sale. C'est vrai que c'est dégueulasse, hein, putain. En un jour, hein. On est là, c'est ouvert depuis un jour. Et il faut une nouvelle salle de classe. On va la mettre... Bon, on va la mettre là. On va ouvrir la seconde F, là. Ok. Voilà. Hop. Ok, et donc là, on va mettre un prof ici, prof de science, ici, et on va mettre une deuxième classe. Voilà. Tac, ok. Donc ça, c'est la classe 1-1, et donc ça va être quoi, la classe 1-2, c'est ça? Ouais, c'est 1-2, la classe 1-2. Pitié, change la musique, j'avoue que c'est lourd. Animé, school, musique. Slice of life, animé, musique. Let's go. Du coup, c'est quoi, là? Parce quoi? Est-ce qu'ils vont aller... Est-ce que la classe de seconde F... Oui, voilà. Ah, ça a l'air d'être la classe de Tug, un peu. Par contre, eux, ils vivent dans leur déjection. C'est... Ah, vraiment, ils... Ah, il y a des rats, il y a le choléra là-dedans, quoi. Principal, vous entendez? Il semble qu'on a des visiteurs. Ah, merde. Attends, c'est pas l'inspection académique. Ah, ouf, c'est l'inspection académique.
Ah ouais. Vous êtes sûr que vous voulez pas revenir demain? Ah ouais, c'est quoi vos noms? Nous sommes... Je suis le principal. Ah bah il va pas regretter d'être venu, tiens. Regardez cette école, c'est dégoûtant. Vous avez pas vu l'intérieur encore. Nous avons entendu que quelqu'un a hérité de l'école, alors on est venu vous visiter. Je suggère que vous nettoyez ce bordel d'abord. Et croyez-moi, vous ne pouvez pas vous qualifier de directeur. C'est vrai. Allez, au revoir. Ah ça va, ils viennent pas tout de suite. Ne soyez pas trop gros, ok, d'accord. Content de vous avoir rencontré, d'accord. Ah putain, les... D'accord, ils foutent rien à la classe 2. Ils avaient pas d'emploi du temps. Les mecs, ils arrivaient en cours, ils foutaient rien. Oh putain, oh la banane. Oh, c'est la classe des thugs. Regardez, il y a Johnny la banane, là. Je peux pas zoomer, mais il est là, là. Alors, ah. Ça y est, on peut débloquer le janitor, le janitor. Na, 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 na. Alors, on va le mettre où? On va le mettre là. Ah, mais non, c'est les élèves qui font, qui nettoient eux-mêmes. Ah bah voilà. C'est juste qu'ils avaient pas de balai, il fallait qu'on recherche le balai. Mais voilà, c'est bon, faites le boulot. Attends, faut peut-être leur dire. Voyons. Ah, voilà, et là, du coup, je peux mettre les règles de l'école. Je vais les mettre là, à l'entrée. Et du coup, comment... Est-ce que je peux éditer les règles de l'école, maintenant? Ah, c'est bon, je suis passé niveau 2. New school is on the block. Upgrade school. Oh, on est passé à... On est une petite école, maintenant. On peut avoir des cours de maths, des cours de lecture. Ouais, super. Bon alors, mais du coup, comment ça... On est d'accord que c'est les élèves qui font le... Ah, voilà, ça y est, il y a une élève qui fait le ménage. Voilà. C'est bien, il y a une élève qui s'est décidée à faire le ménage, là. Du coup, c'est quoi, alors? Wall fan. Ah, je peux mettre un ventilateur. Et je peux mettre des bancs. Et une fontaine. Vas-y, je mets ça, là. Hop, la fontaine. Et des bancs autour de la fontaine. Ah oui, les bancs autour de la fontaine. Ça c'est animé, ça. Ça, c'est Max et compagnie, là. Ah, il faut des poubelles. Attends, il me faut des poubelles. Poubelles. Alors, attends, du coup... Et là, j'ai tout. Là, c'est bon. Je crois qu'il faut que j'enseigne les maths. Alors, attendez, on va commencer par eux. Donc... on peut éditer les classes. Ah oui, l'uniforme. Oh. Ah, tu me fais plaisir. J'ai jamais compris le... Ce truc-là, là, cet uniforme, c'est quoi? C'est collège ou c'est lycée? J'ai jamais compris. Je sais pas comment ça marche, les uniformes au Japon, en fait. Je crois que ça c'est le classique. Je crois que c'est le collège, hein. Mais en même temps, j'ai croisé... Parce que quand je suis allé au Japon, j'ai croisé des meufs qui étaient... Enfin, des gamines qui étaient habillées comme ça, là. Et j'en ai croisé qui étaient en bleu sombre intégral. Je crois que ça, c'est lycée, il me semble. Ça dépend des écoles. Ben non. Je crois que ce délire de ah, ils ont tous des uniformes différents selon les lycées, je crois que c'est je crois pas, hein. C'est moi, j'ai jamais croisé personne avec un uniforme différent de ou celui-là pour les collégiennes ou des bleus intégral. Je pense que ah, du coup ça c'est pour les profs. Non, attends. C'est quoi ça? External Affairs Office. C'est pas le truc des professeurs? C'est pas la salle des profs? Bureau des affaires externes. Bizarre. C'est quoi? Ça serait quoi, bureau des affaires externes? Ça correspond à quoi? Ah, il faut le faire. Ah, c'est le gymnase, je crois. Attends. Je crois que c'est bureau des affaires externes. C'est peut-être ils appellent ça le gymnase. Bureau des affaires extérieures. Vas-y, je mets ça là, comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est... Ah oui, c'est le... Ok, d'accord. Ah oui, ok, 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 ok. Ok, c'est là où tu gares les bicyclettes. Très bien, ça se met là. Voilà, ok. Et si je l'édite? Voilà. Plusieurs enfants dans le village veulent aller à l'école, mais ils ne savent pas qu'une école a ouverte à cause de la communication nulle à chier que vous faites. Invitez-les à rejoindre une vie joyeuse à l'école. Ah! Les enfants des pêcheurs sélectionnés. Ah, il faut que j'aille faire de la pub. Genre, j'envoie un de mes profs. Vas-y, je vais envoyer les profs de français, ils servent à rien. Je vais envoyer les profs de français faire de la pub. Ça, c'est quoi? Place culturelle. D'accord. Fais ça. Ok. Oh, il y a un chien! Oh non, il y a... Oh non! Oh, le chat abandonné! Oh, le chat abandonné! Imaginez, je fais non. Imaginez, je fais non. C'est la fin de ma carrière. Vraiment, je pense que si je clique sur non, c'est la fin de ma carrière. Je pense que c'est genre... le désabonnement est total. Je pense que... Voilà. En plus, regardez là, il est tout rond. Non, mais je suis pas cruel à ce point. Comment on l'appelle? Comment il s'appelle, les chats? Neko. Voilà, hop. Allez, du coup, oh merde, mais du coup, il faut mettre... attends, il faut mettre des litières et des trucs comme ça, là. Voilà, je vais mettre un arbre à chat. Voilà,
un arbre à chat, le truc pour qu'il mange. Voilà. Et il faut une litière aussi. Ah, il faut une maison pour le chat. Là, je la mets là, la maison. Voilà. Et attends, c'est quoi ça? Litière. Voilà, la litière. Ah, je la mets... Bon, je la mets là. De toute façon, c'est la mascotte, hein, les élèves, ils s'en occuperont. Ah, il faut... Attends, start building 5 mètres square... Ah, d'accord. Il faut que je fasse un square. Build 5 square structure to finish building. C'est quoi, 5 square? Le carré noir, pitié, bordel. Ah, c'est ça, le 5 square. Très bien, très bien. Comme ça, donc. C'est du métal. Moche. 5 carrés? Je fasse 5 carrés? Ah, d'accord, ok. Je prends n'importe quoi et je fais 5 carrés. Genre, 1, 2, 3, 4... Comme ça? Non, ça va pas être ça. Je pense que j'ai pas compris. Je pense que j'ai pas compris. C'est peut-être qu'il veut que je construise un bâtiment de 5 squares. Genre comme ça, là. Oh, c'est chiant. J'ai pas envie de construire un nouveau bâtiment, moi. Bon, allez, on va faire ça. Agrandi. Ouais, je vais faire le gymnase. Vas-y. Le gymnase, on va le mettre là. Loin. Alors, attends. 1. Combien? 5 squares. Bon, je le fais un peu plus, hein. Je le fais 10. Voilà. 5 square structure to finish the building. Qu'est-ce que je fais? Je comprends pas ce que je fais. Bon. C'est un problème pour plus tard. Ça, un second étage... oui. Oui, mais ça je le sais. Je suis déjà allé au second étage. Ça c'est la classe 1-1. Oui, c'est bon. Les examens auront lieu dans 2 jours. Merde. Attends. Mais les examens... Mais c'est foutu. Mais ils sont idiots. Oh, c'est foutu. C'est rip. Oh putain. Là, il va nous falloir un professeur jeune fluo avec des tentacules là pour nous en sortir. T'as fait des recherches? Bah oui, je suis en train d'apprendre les maths là. Mais en même temps, c'est bien parce que vous savez, ça lance l'intrigue de ah là là, il faut qu'on réussisse notre classe, on est tous des abrutis, mais il faut qu'on réussisse à faire les examens parce que sinon la classe va fermer et je ne veux pas parce qu'après on va devoir aller ailleurs et on va tous être séparés alors qu'on est tous amis. Vous savez, ça, vous avez déjà vu ce connaissez ce genre d'intrigue. 15% de chance de réussir les examens. Let's go. Alors, il n'y a pas... On est d'accord qu'il n'y a pas de toit. Hein. Il n'y a pas de toit du tout dans ce truc-là. Bon, on s'en occupera plus tard. Pourquoi ils vont pas en cours? Ah, ils ont pas... Putain. Oui. Voilà. Let's go. Il faut que je fasse une classe supérieure. Il faut que je la mette là. La classe, je la mette là à l'arrache. Alors, attends. Fourniture. Là, parce que là, c'est dégueulasse. Straight Cooler Runway. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est une piste cyclable ou... Je crois que c'est un truc pour faire du sport. Auquel cas, je vais le mettre ici. Attends, je crois qu'il faut que je mette un casier à chaussures, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, ça va. Ah, voyons. Urgence. Olivia Taylor est tombée sur une banane dans la rue. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Sauter par-dessus? Mais je suis pas ta mère, qu'est-ce que... Oui, saute par-dessus si tu veux, oui. Olivia est tombée par terre et elle s'est sentie embarrassée. Du coup, elle est déprimée. Oh putain, c'est japonais, je te jure. Ah voilà, lui, il commence à faire la pub. Ok, je peux ajouter de nouveaux élèves. Ah, on pourrait faire... En vrai, on pourrait faire des... on aurait pu faire des classes mixtes, pas mixtes. Pour aucune raison particulière. Ah, on peut entrer un nom de classe. Ah, et on peut faire un design pour la classe. Vas-y. On va mettre... Ah, je sais pas. J'ai pas l'idée. Bon, c'est bien. Ça s'appelait 1-2. C'est bien. C'est typique. Attends, vas-y. Ah oui, c'est la classe de Johnny Banane. C'est les idiots, là. Attends, on va les appeler les STMG. Voilà. Ah, je me mets dedans. J'étais moi-même en STMG. Ça s'appelait STT à l'époque. Alors, je... Short-sighted. C'est-à-dire quoi? Il vaut rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, y en a un qui pue. Il y a une meuf qui pue. Attends. Ah, les classes, c'est emmerdant. Est-ce que je peux sortir et m'amuser? J'apprends rien ici. Hop, punition. Tu restes debout. Ah, voilà, on peut continuer. Continuer les recherches. Ça a marché, la punition? Oui, voilà. Elle est là, avec ses seaux d'eau. Punition physique, hein. Y a que ça de vrai. Pitié, clipez pas. Eh, le groupe de filles, là, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des trucs de gangsta. Pourquoi? Ah d'accord, il y a que elle qui a un uniforme imposé et les autres non? Attends, mais comment on impose l'uniforme à tout le monde? Parce que moi, je veux imposer l'uniforme à tout le monde. Là, je suis allé voir... visiblement, là, je crois que je suis allé voir une élève particulière. J'ai fait, toi, tu portes l'uniforme. Ok. Fourniture, c'est quoi? Je peux mettre des livres. Je mets des livres à côté de la litière, là. Voilà. Bon, j'ai 30% de chance de réussir. On va accélérer. Comme ça, on va finir la démo.
C'est un jeu chinois, pas japonais. Ah ouais? Bon, c'est pas mal. Ça change des Genshin Impact, pas pour les jeux chinois. Alors c'est quoi? Le village des enfants. Quand Olivia Taylor arrive au village pour parler avec le chef du village, le chef dit aux enfants « Venez regarder le mec bizarre dans son costume de merde. Qu'est-ce qu'il devrait faire ?» Est-ce qu'il devrait parler de l'importance de lire ou le meilleur moyen, c'est de ramener de nouveaux enfants? Je vais parler de l'importance de lire et je convainc quelques enfants de venir. Trop bien. Ah, j'ai de nouveaux gosses, là. Ah ouais, plein de nouveaux gosses, là. Attends, il y a combien? 14 sur 15? Ah, il faut que je fasse une nouvelle classe. On peut pas bourrer les classes, c'est chiant. C'est chiant qu'on puisse pas bourrer les classes, en vrai. Aujourd'hui, c'est le jour des examens. Bah, c'est fini. RIP. J'ai 34% de chance de réussir. Faire une nouvelle classe. On va faire quoi? On va la construire à l'intérieur, hein. On va pas s'emmerder. Sûr, on peut la bourrer quelque part. First class, headmaster office. Non, c'est bon, il y a tout. On va mettre ça. Voilà, comme ça. La classe tout en longueur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui manque dans cette classe? Il faut mettre un professeur. Voilà. Edit. Ah, je peux mettre des trucs maintenant. Ah, voilà, c'est maintenant où je peux rendre la classe... Je peux rendre la classe intelligente. Et ça, c'est quoi? Un tableau d'annonce publique. Voilà. On va l'appeler comment? On a fait... Il y a STMG, seconde L. Oui, attends, si, seconde option... c'est comment ça s'appelait? Tous mes potes, ils étaient dans une section branleur à la fac. Comment ça s'appelait déjà? Comment ça s'appelait cette section chômage là? Histoire de l'art. C'était un truc comme ça, genre. C'est histoire de l'art. C'était un enfumage comme ça. Ah, je peux pas mettre. Ah, tant pis, on va mettre ST2ID. Vas-y, je sais pas quoi, je sais plus c'est quoi cette abréviation de l'enfer là. L'année Babyfoot qu'ils ont fait là. Il me l'a raconté. Chaque fois que je les voyais, il me disait putain, on fout rien. Alors, est-ce que votre école marche toujours? Oui, il y a aucun moyen que j'envoie mes enfants dans votre école. M'en fous. Ah, mais pourquoi c'est la prof que j'ai habillée en collégienne? Putain, le directeur qui a des kinks étranges. J'ai forcé la prof à s'habiller en collégienne. Ok, bon bah écoute, elle a dit oui. Il reste la moitié, une demi-journée avant que les tests ne commencent. On est toujours à moins de 30% de réussite. Le lycée de Zep, parce qu'il va falloir passer les examens. Ça serait incroyable qu'on réussisse là à 30% de chance. Ah, il reste 60 minutes avant le début des examens. Ajustez votre mentalité, ne soyez pas nerveux. Putain, mais le problème c'est les élèves, ils sont stupides, putain. C'est loose. Ah, ça y est, faut aller à la salle d'examen. Voyons qu'est-ce qui va se passer. OMG. Examen complet. Voyons. Horrible. 10 ont réussi sur 34. Let's go. Le plus mauvais lycée de tout le Japon. Ah bah écoute, hein. On est le dernier. Voilà. Regardez, les mecs, ils ont 100, là. Brightwell Height, 100, ça pète. Regardez, collège foufoufou, 55. Bon, c'est sympa, cette petite démo. Mignon. Vas-y, on n'a pas réussi. Il nous manquait un super prof.